On a des richesses chez nous, sur nos territoires, et que si on ne les aide pas à se développer, elles ne verront jamais le jour, et que notre santé, c'est ce qui est prioritaire. Je suis Karine Choreau, CEO de l'entreprise First In Thérapeutique, et nous développons des petites molécules en oncologie. Et nous nous apprêtons à lancer notre premier essai clinique en Europe sur une centaine de patients, essai qui va entre autres se dérouler à l'Institut du cancer de Montpellier. Medvallée, c'est avant tout une mise en commun d'efforts, d'expertise, de compétences, de moyens autour d'une volonté commune qui est de se dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est notre santé, notre bien-être et puis surtout celui des générations futures. Et donc, on va tous œuvrer dans ce sens-là en mettant chacun notre petite brique et nos moyens. Moi, j'ai pas vraiment intégré la démarche, je suis née dedans. Je suis un pur produit Medvallée, je fais partie d'une entreprise qui est issue des laboratoires de Medvallée, qui a grandi dans Medvallée, qui a été maturée dans Medvallée, qui s'est créée avant même que Medvallée se rende compte qu'elle existait quelque part. Donc aujourd'hui, pour moi, l'important de gagner en ampleur, de donner une marque à tout ça, de donner des ressources à tout ça, c'est de rendre tout ça visible à l'extérieur pour que ça aille plus vite et qu'on voit plus grand. Forcément l'idée de faire quelque chose pour la santé au sens large, la souveraineté de la santé avec ce qu'on a vécu dans les deux années précédentes, c'est-à-dire savoir qu'on a des richesses chez nous, sur nos territoires, et que si on ne les aide pas à se développer, elles ne verront jamais le jour, et que notre santé, c'est ce qui est prioritaire. Et puis l'idée également de se dire qu'il faut mettre ces valeurs-là avant toutes les autres aujourd'hui, le bien-être, l'environnement, pour les générations futures, de contribuer à une action qui porte ces valeurs-là. Principalement deux choses. La plus importante peut-être, c'est la mise en lumière, le côté dimensionnement international, visibilité à l'international, devenir faire partie d'un tout qu'on va voir de loin. La deuxième, beaucoup plus matériellement, c'est l'accès à des infrastructures, donc c'est l'accès à des plateformes, l'accès à des expertises qui sont sur place, et puis basiquement l'accès à des locaux. Nous, on a un groupement d'entreprises qui était sur un site qui était en difficulté parce qu'il allait être rétrocédé, on allait devoir quitter le site, on était à la rue quelque part. Donc Medvallée va se porter acquéreur du site et dans l'entretemps nous assure une solution provisoire et ça veut dire que ça nous donne les moyens de continuer dans des bâtiments qui sont adaptés à nos besoins en termes de biotech, avec des locaux adaptés à la recherche en chimie, en biologie. C'est quelque chose de fondamental, surtout pour des petites entreprises innovantes comme nous. Qu'est-ce que je peux apporter à Medvallée? Mon dynamisme, celui de mon entreprise, le fait qu'on ait une petite structure agile mais qui se déplace beaucoup à l'international, donc qui a déjà acquis une visibilité. Nous, on a des investisseurs japonais, on a des investisseurs américains. Donc, on va lancer un essai clinique européen et il est marqué, brandé Medvallée aujourd'hui. On travaille en interaction avec l'Institut du cancer de Montpellier. Donc, les premiers patients vont être recrutés sur Montpellier pour un essai qui est une first in human, donc une première internationale. Donc c'est à notre niveau apporter un petit bout de notre démesure et de l'engouement qu'on met là-dedans.